Rassembler et servir le basketball, un slogan que l'équipe du nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball a décidé de traduire en actes. Face à la presse, le mardi 16 janvier 2024, Moussa Diarra a dévoilé sa feuille de route. Présentation des membres du bureau exécutif et des principaux défis de la nouvelle mandature était au menu de cette rencontre. Occasion choisie par le président de la fédération pour annoncer le retour du coach Nacho Lescano à la tête de la sélection ivoirienne. Nacho est celui qui a conduit la Côte d'Ivoire toujours vers des sommets. Il a pris l'équipe nationale de 2020 jusqu'à 2023. Il n'a perdu qu'une seule rencontre qui est la finale de l'Afro-Basket. Quoi de plus normal? Il connaît nos joueurs, nous avons des urgences. Nacho va venir rebâtir ce qu'il a toujours fait. Porté à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball le 2 décembre 2023, Moussa Diarra entend redynamiser le basketball ivoirien. Dans cette optique, le championnat national de première division démarre le samedi 17 février 2024 sur les bords de la lagune Ébrier.